Dans ce coffre se cache mon trésor. Dans celui-là se cache mon trésor. Montre-moi ce qu'il y a dedans. Oh. Y a rien du tout. Par contre, moi les gars, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a mon or à l'intérieur. Et aujourd'hui, Dachem, si t'en veux aussi, carte bleue. Merci. Tu fais attention. C'est pour la bonne cause. Donne, c'est pour la bonne cause. C'est pour qui? C'est pour la Team Océan. De... C'est qui la Team Océan? Hop, j'utilise une carte bleue jusqu'à que je sois interdit bancaire. Ok. Quoi? Tout le monde a un téléphone. T'as un téléphone? On joue à des jeux mobiles. Au hasard, Clash of Clans. Tout le monde joue à Clash of Clans. On va mettre des gemmes, etc. Et tu vas faire des achats dans la boutique. Mais moi, j'ai envie de savoir les limites. Combien d'argent on peut mettre dans le jeu jusqu'à se faire bloquer et interdire par la banque? J'y vais, mec. Te laisse Sunshine dans les mains. Je le surveille, je le surveille. Tu le surveilles? Je le surveille, pas. Fais attention parce que je n'ai pas confiance, il manque pas le code. Hein. Let's go! Oh mec, j'ai trop excité de faire cette vidéo, je te jure. Alors, le jeu, les amis, c'est Clash of Clans, les gars. Ben oui, quand même, je vais utiliser un jeu où j'y joue tous les jours. Alors, aujourd'hui, en plus, j'ai une nouveauté pour toi. Est-ce que tu veux gagner de l'or sur Clash of Clans? Est-ce que tu veux aussi gagner un item gratuit? Ouais. Eh ben, t'as l'air en description. Si je clique sur le lien, j'ai des thunes. Tu veux faire? Des élixirs et un objet exclusif. Mais avant ça, je fais mon premier achat. Ce qu'on va faire, c'est que DHM, lui, va avoir une calculette. Et tu vas calculer exactement combien d'argent je mets. Donc là, je fais mon premier achat. On met les 120 balles. 120 balles, en plus, il y a une offre en ce moment. Regarde, plus 63%, ça veut dire qu'ils vont te donner beaucoup plus de gemmes. Tous ceux qui veulent faire des achats, n'oubliez pas, les amis, code Unchain. Hop, dans la boutique Supercell. Validez le code. Quand même, là, je vais dépenser tellement de thunes. Mais c'est pour la bonne cause, les amis. À chaque gold que je vais piller, je vais augmenter mon score face à deux créateurs de contenu. Magasin, 120 balles. Accepté, petit traitement. Et là, c'est la première achat. Je suis déjà interdit bancaire. Ça serait con quand même. Hein. Let's go. Premier achat que j'ai mis, mec, ça passe. 119. 99. J'espère en tout cas que vous allez bien les amis. Aujourd'hui franchement c'est un concept de turfu. On va faire ça pour une cause environnementale. Tout l'argent que je vais mettre, je vais l'utiliser pour l'événement Clash of Nature. Je fais partie des HM de l'équipe Océan. Et face à moi il y a la team Arbre. Dans la team Océan, je te dis il y a Inoxtag, le Bouzeux, Togbi et le Chiki. Et comment ça fonctionne? Pour ça j'ai besoin de vous la communauté. Si ma communauté est l'équipe qui pille le plus d'or, alors je gagne une Tesla. Et en plus de ça, on soutient la planète. Parce que tout ce que je vais mettre les amis dans le jeu, ça va permettre d'augmenter une jauge. Et notre but c'est d'atteindre 100 000 $. Pour Team Océan et nettoyer les océans. Là, mec, j'ai 25 millions d'or là. Mon équipe Team Océan, on va être on top. Avant, il faut que je rejoigne la Team Océan. Je clique sur le lien en description. Ça m'ouvre le jeu. Donc, bien entendu, avant de cliquer sur le lien, téléchargez bien Clash of Clans sur l'Apple Store ou sur Google Play. Et ensuite, vous cliquez sur le lien en description. Tu m'as dit, t'as un objet spécial avec. Normalement, j'ai un objet spécial et j'ai aussi avoir de l'or. Voulez-vous récupérer votre récompense maintenant? Récupérer. Bam. Welcome to Team C, donc Team Océan, les gars. Let's go. Et là, regardez, qu'est-ce que je gagne? Je gagne un bâtiment gratos. Alors, ça, c'est hyper rare. Vous savez, les amis, sur Clash of Clans. Le but c'est d'améliorer ton village. Et tu as aussi des items comme ça extrêmement rares. Et là cet item là tu l'as que avec mon lien en description. Tu sais que j'ai des items très rares moi. J'ai des gâteaux d'anniversaire qui datent de fou les gars. Je le mets juste là. C'est un petit poussin. Un bain du canard. T'as vu ça? Moi aussi je le veux. Toi aussi tu l'as? Attends je vais aller le prendre. Oh regarde, bâtiment non placé. Et t'as gagné combien d'or? T'as gagné, gagné 1,5 million. Est-ce que moi j'ai pas gagné parce que j'étais full? Oui. Faites gaffe quand vous cliquez sur le lien, faites en sorte d'avoir de la place dans votre trésorerie. Toi aussi t'es Team Océan? Ouais, moi j'avais 8 millions, regarde, j'ai 9 millions 6. Ah ouais. Et je vais placer le petit canard. Hop. Alors moi, regarde mon village, déjà il est un peu plus avancé. What the fuck mec? Bah je joue depuis longtemps, regarde. Le gâteau des 9 ans et là le gâteau des 6 ans. Moi j'ai mis de l'argent pour avoir un maximum d'or. Il y a moins que je te dépasse. Je suis HDV 13, mon HDV 12 est maxé. Moi mec alors je suis hôtel de ville 10 et il est maxé mon hôtel de ville. C'est à dire que tous mes bâtiments là ils sont maxés niveau 10 de l'hôtel de ville tu vois. Bonne chance. Objectif de la vidéo, me dépasser avant que la banque te bloque. Bain du canard, Team C. Alors déjà je les ouvrais. C'est trop marrant parce que la seule chose que je dois améliorer, j'ai attendu tout ce temps pour la vidéo, c'est l'hôtel de ville à 2 millions. Du coup là regarde, je l'améliore pour 2M. Let's go. Bam. Là mec, j'ai tellement d'or et tout frérot, j'ai vraiment attendu de malade pour tout dépenser dans mon équipe Team 6. Alors les amis, il faut savoir que pour l'instant, le premier de Team Océan c'est Trimax. Et il a un Team Océan, du coup il fait partie de mon équipe. Bon, attention parce que dans les places en dessous, il y a quand même des gars qui sont Team Tri, donc Team Arbre, qu'il faut absolument combattre. Let's go les gars, Team Océan les gars. Tu sais pas si t'as vu Unchained, mais il y a le nouveau pass de combat Clash of Clans qui vient de sortir. Tout nouveau pass, et ça peut t'aider à avoir des trucs moins chers et tout. Et je pense que faut le faire. Oh, interdit bancaire ou pour 7,99€? Plus 8 euros à la calculer. Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dépensé 1000 euros. 1000 euros, je me suis pas fait interdit bancaire. J'ai peur de devoir dépenser beaucoup plus que 1000 euros. T'es à 127,99€. On a quasiment pas commencé. Passe de combat, j'ai quoi de beau? Déjà, t'as un joli petit skin pour des pistes. Ok, donc dedans, je peux avoir des golds ou pas? Parce que moi, il faut absolument que j'ai des golds. Tu vas pas avoir du gold directement, tu vas avoir des runes. Mais regarde, par exemple, t'as la boost ouvrier et t'as les runes d'or. Et les ouvriers, par exemple, là, ils vont être 15% moins chers. Un truc qui coûte 1 million va être 15% moins cher. Et tu peux monter à 20%. J'achète tous les paliers. Ouais, achète, parce qu'après, tu vas avoir moins 20% sur tous les trucs. Ah ouais, ouais. Donc là, déjà, t'as 10% moins cher partout. J'ai jamais eu mon tête de ville pour 2 millions, mais j'aurais pu avoir 10% moins cher, quoi. Ouais. Je suis débile, ça m'en fout.
Les murailles, ça c'est bien ça. Faut juste que j'ai besoin. Boost de recherche de 15%, vas-y. Oh, boost des ouvriers là, regarde. Là, t'as 15% moins cher et 15% plus rapide aussi. Les ruines, c'est trop trop bien. Je me dis, il y a moins que tu me dépasses. Hein. Even pour Team Océan, les gars. Oui, je vais dépenser de ouf pour aller piller de l'or. Je vais montrer la technique pour avoir de l'or le plus rapidement possible sur le jeu. Prends un livre des bâtiments si tu peux. Ok, non, laisse-le là. Ne clique pas sur OK, laisse-le là. Parce qu'en fait, ce qui va te coûter cher en chain, plus tu montes en HDV, plus ça devient long d'améliorer. Moi, par exemple, il y a un aigle artilleur que je veux améliorer. Mec, c'est 17 jours. On va terminer mon hôtel de ville avec un livre. Là, je paye rien, c'est juste un livre. Oh, let's go! Regarde, là, t'as un boost d'étoiles, un boost de ressources, un boost de puissance et un boost de 5 niveaux sur tous tes héros, frère. Pendant 5 jours. Alors là, normalement, directement, si je dans les magasins ici, t'as un pack hôtel de ville niveau 11. À chaque fois que tu passes en HDV, t'as Clash of Clans qui te propose des réductions de fou. Oh, je gagne 10 millions d'or, une potion d'ouvrier et directement mon nouveau sorcier. Grand gardien. Grand gardien niveau 5. Alors, je le prends instant. Mais surtout, c'est l'aigle artilleur, hein, frérot. Niveau 2, c'est une dinguerie. Hein. Mais non. Mec, une amélioration au niveau 1, c'est genre une semaine. Bon, ben c'est parti, les gars. Je rachète combien là? 24 balles, mec, quand même. T'es déjà à 151. Franchement, les amis, je fais ça réellement grâce à votre soutien, les gars. Mettez le code Unchain, les refs. On fait des expériences à la MrBeast dans les jeux vidéo. Mais t'as 33 millions, mais what? Mais regarde mon mage, mec. Et j'ai même pas où le mettre. Je le mets et je le mets à côté de mon toutou. Je te conseille de le mettre comme une défense parce qu'en fait, le mage, dès qu'on t'attaque, il se transforme un peu comme une tour de l'enfer, genre. Et là, ce que tu vas faire, tu vas passer ton hôtel de ville en mode tryhard. Okay, c'est les mecs qui mettent de l'argent dans le jeu, qui veulent améliorer rapidement. Du coup, il va falloir que tu changes complètement le décor et que tu vas tout rassembler. Là, j'ai une bonne défense quand même, mais j'ai mis mes bons murailles de partout trop bien, genre. Oui, oui, oui. Ah ouais, je peux même pas le poser. Alors, en fait, j'ai pas de place. Au milieu, c'est un peu, si tu veux, comme un mortier qui tape partout dans la map. Let's go. Ok, donc là, Unchain, je vais te faire faire un village qui va te permettre d'aller hyper, hyper vite. Je vais modifier le plan. Tu vas tout mettre entre eux. Là, t'as un canon, tu vois. Et on va mettre les 6 canons. On est niveau 13, c'est pas mal quand même. Hein. Toi, ils sont niveau combien? Moi, ils sont niveau 18. Comment ça, ils sont niveau 18, frérot? J'ai menti, ils sont niveau 17. Alors là, et en gros, ce que tu dois faire, c'est tout regrouper entre eux. Au moins, en fait, tu vas avoir plus de visu, tu vois. On fait du à peu près, quoi. On fait du à peu près. C'est d'ailleurs, on va devoir voir ce qu'on est en train de faire là. Et voilà mon village. Tu vas pouvoir te focus sur les améliorations et essayer de me rattraper. Déjà mec, j'ai envie de poser les nouveautés que j'ai ici. J'ai tout ça que je peux améliorer. Je suis passé à défense, du coup j'ai un nouveau tour de sorcier. On le termine, on utilise des gemmes. Mmh. Hop. Et on l'améliore. On le termine avec des gemmes. On l'améliore. Hop. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dépense de l'or pour Team Océan. Après, on va piller les villages pour augmenter Team Océan et remporter les 100 000 dollars. Là, mec, ça coûte déjà 1 million, frère. Actuellement, pendant les 7 prochains jours sur Clash of Clans, regarde ce qu'il y a. Il y a tout simplement l'heure de la convention des marteaux. Et tous les bâtiments du village principaux sont à moitié prix. T'as trop de chance, c'est une dinguerie. Mais non. Moi, les gars, j'avais payé cher de fou. T'as Mais trop de chance. Non. Donc là, dis-toi de base. J'aurais dû payer deux fois plus déjà pour la murée max. Genre là, ça coûte 3 millions. De base, c'est 6 millions. Attends, mais what? Mais les gars, j'en profite de ouf, les gars. Et la banque, ne me bloque pas, j'améliorerai tout mon village. Oui, j'ai un PC déjà hôtel de ville 11. Je pouvais pas améliorer, par exemple, mes tours. Et là, je peux le faire. En fait, je peux tout améliorer un au-dessus. Ouh, ça part vite, les gemmes. Ouais, mais ça coûte deux fois moins cher. C'est ça qu'il faut que je me dise, frérot. C'est vrai. Donc là, est-ce que les tours de sorcier, c'est fini? Les tours de sorcier, là, c'est fini. Après, j'y touche plus, tu vois. Elles sont déjà maxées, là. Au début, le canon, tu regardes, c'est trop mignon. J'avoue, il est cute. Il est trop mignon. Genre comme tu vois. Genre par exemple, si j'ai amélioré celui-là, hop, voilà, tu vois. Il a une belle gueule. Allez, on passe au canon, c'est parti, on améliore tout. Après ça, il faut que je fasse ça 12 fois à chaque fois. Genre, tu penses ça prend combien de temps de monter max? Parce que les amis, le max sur Clash of Clans, c'est HDV combien? HDV 15. Ah ouais, je sens que ça coûte moins cher quand même. Hein. Mais vous, les gars, c'est le moment de télécharger Clash of Clans, tout est à moitié prix. En plus, tu gagnes 1 500 000 avec le lien en description. Et en plus, tu gagnes la mare avec le canard qui est seulement disponible pour ceux qui cliquent sur mon lien. Si tu revois dans les événements, encore une fois, que tu descends un peu, il faut savoir que tu as un ouvrier. En plus, c'est une offre à saisir. Donc t'as un petit gobelin ouvrier qui vient t'aider. Il reste 6 jours aussi. Là, il reste que 6 jours, mais ça fait genre 40 jours qu'il est là. Okay, mais sauf que lui, c'est un peu un mercenaire. Tu peux l'utiliser, mais il faut payer des gemmes pour l'utiliser. Mais héros, tu sais comment je peux les monter? Ça a coûté trop cher, les héros, j'ai trop peur. Avec les héros, tu peux les monter niveau 90. Les héros, on met ça de côté. D'abord, on va faire un petit peu tout ce que j'ai dans ici. Genre. Alors, défense. Un arc X, mec. J'en avais un là-bas, regarde. Bam. Allez, on le termine instant. Hop, la moitié prix, je prends. L'or, il commence à s'envoler. En sachant que c'est. Oh, 2 millions, frère. Mais c'est rien, 2 millions. Moi, je vais payer 6 millions, frère. Attention, tu peux plus. J'ai plus d'or. Ah, j'ai des runes, ça, j'ai des runes. Attends, déjà, clique sur ça. Ah oui, 2 millions 2. J'en ai 2 millions 2, juste comme ça, genre. Tu montes un peu. Les amis, pour piller de l'or le plus rapidement possible, il faut des gobelins. Moi, mes gobelins, frérot, ils sont niveau 7. C'est pas mal. Alors, j'ai pas les super gobelins. Les super gobelins, c'est quoi? C'est un petit laboratoire secret. Bah déjà. Oh, mais gratuit. Merci beaucoup. Ici, avec tes gemmes, tu peux tout acheter. Mais c'est pas ici que je vais aller. Là, tu peux booster certaines troupes. Quand tes troupes atteignent un certain niveau, tu peux les booster. Et les gobelins, dès que t'es niveau 7, tu peux avoir les gobelins furtifs. Et en fait, ça coûte 25 000 d'élixir noir. Est-ce que tu veux les essayer? Tu vas pu essayer. Ah, ils sont invisibles, mes gobelins. Ah, par contre, après, ils sont visibles. Allez, on les active, ils ont l'air d'être cool. Let's go. Pendant les 3 prochains jours, t'as des super gobelins. Donc là, c'est nickel. Et là, du coup, je forme quoi? Ceux-là, un max. Après, pour moi, c'est pas le meilleur deck. Pour le gold, c'est le meilleur. Tu sais quoi, je vais améliorer mes casernes, mec, tout de suite. Ouh, attention les gemmes. Non.
Non, dis-moi pas, je vais devoir réappeler ma petite banque. J'ai plus assez. C'est maintenant que t'actives tes runes, mec. Ok, alors runes, c'est ici. Là, il faut être dans objet magique. Ouais, tu descends. Et là, tu vois que t'as des runes. La rune d'élixir, je vais être full élixir. Ouais. Oh, let's go. Et là, bam. Ah, j'ai plus, allez. 120 euros dans la cagnotte. 120 balles, allez la banque, s'il vous plaît, allez, on continue les gars. On attend donc le paiement, il passe avec la banque. Dédicace aujourd'hui à 7 abonnés qui viennent s'abonner à la chaîne. Ça fait trop plaisir, c'est la dernière personne qui s'abonne à ma chaîne, mec. Oh gosse. Si toi aussi tu veux une dédicace dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche, ok? Le paiement est passé. T'es à 271 euros. Là, j'étais amuré pour faire des gobelins, du coup c'est parti, on continue à faire des gobelins. Sauf que les gobelins, tu les mets de temps. Du coup, on va terminer la formation. Voilà, on a terminé la formation. Est-ce que tu veux pas aussi améliorer ta caserne? Ah ouais? Ah oui, tu peux, tu viens de passer de l'HDV. Tu viens de débloquer les dragons électriques, frérot. Ah, c'est ça là? Ouais, ils sont ah hyper ouais, forts. D'accord. Donc là, je suis full, ok? Caserne, militaire. Oh, regarde tous les gobelins après qui arrivent. Regardez tous les gobelins! Eux, ils sont prêts à la guerre. Ils sont prêts à la guerre, et c'est parti, on fait de l'attaque. Alors, quelle est la meilleure sorte pour les gobelins? Alors, les gobelins, t'as une stratégie qui consiste à utiliser les sorts de saut pour qu'ils puissent passer les murailles. Ceux-là? Ouais. J'en fais combien? Deux, je pense. Mm-hmm. Le sort à droite, t'en mets un. Pour les doubler? Ouais. Voilà. Ensuite, mettre le sort de clonage. J'en fais deux aussi. Non, tu peux en faire qu'un. Okay. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est soit des soins, soit du boost. Mais moi, je te conseille boost. Sûr. Ouais, sort de rage. Ça, ils vont vite. Et voilà. Et en plus, ils sont dupliqués, ils vont vite et ils peuvent sauter les murailles. Allez, mec, là, le but, c'est de trouver un village qui a énormément d'or. Et là, on va commencer à piller l'or. Toutes les personnes qui pillent de l'or avec mon lien en description et qui ont la validation avec le bain du canard, c'est bon. Vous faites partie de mon équipe. Et là, les amis, il faut jouer de ouf. Il faut attaquer 10 villages et être au max d'or, les gars. Moi, là, j'ai plus d'or, ok. Donc, on pille avec mes super gobelins. En vrai, 500 000, c'est pas mal. Allez, trouve-moi un village, là. Pas 70 000, je vais pas. En fait, pas mal. 600 000, c'est pas mal. En plus, avec le bonus des trophées... Allez, c'est parti. Ok, alors moi, la stratégie, là, c'est que tout son or, il est dehors, de toute façon. Il a rien à l'intérieur. Peut-être... Ouais, voilà. Ils sont invisibles au début, ils vont très vite. Hein. Là, j'attaque que... Que l'argent. Que l'argent. Regarde, tu viens de prendre 500 000 déjà. Mais c'est bon, je suis full. Pas besoin que j'attaque plus. Mais il faut quand même que tu gagnes la bataille. Tiens, t'as les trucs d'élixir à attaquer. Là, le sort de saut, c'est maintenant. C'est ça. Le vert. Ah ouais, c'est trop tard. Sort de saut. Le sort de clonage, vite, sur eux. 37%. Tu viens de prendre la première étoile, tu vas en prendre la deuxième normalement. Let's go. Active le boost du barbare. Let's go, boost du barbare. Let's go, t'es en train de rentrer. Let's go, là, t'as vu les liés. Là, oh là, wesh. Bon, ça va. Ils vont trop vite. On est un excellent. Il a l'air d'être fort, le mage, frère. Oh, mon archer a fait dead. Mon mage aussi. Il fait quoi, le mage, quand il a son pouvoir? Il est invisible aussi? Non, t'as aucun dégât dans la zone. T'es invincible. Ah ouais. Tu les stylé, regarde, t'as vu, moi, c'est un squelette, mon barbare. Bam! Donc là, une attaque, mec. 69%. 549 000 pour Team Océan. Et plus de ça, petit bonus. Et en plus de ça, je gagne 1 800 000 parce qu'on a des bonus étoiles fois 4, frère. Donc là, en vrai, t'es bien. Hein. Trésorerie. Je suis full. Oh. Oh, t'es bien. Oh. On est et en bien. Plus de ça, regarde. T'as la charrette à gauche. Ah, oh, c'est ça en plus. Oh. Oh. Mais wesh. Oh, t'es bien. Alors, continue l'amélioration maximum du village. C'est parti là-dessus. J'ai laissé un petit espace pour la recherche. Regarde. Pas du tout, j'ai pas fait exprès. Oh, regarde tout ce qu'on a mis en mec. Ah! Oh, niveau max. Donc là, 14, 13. Ah ouais, les tours d'achat, je pouvais les améliorer de 2 niveaux. C'est vrai que les canons aussi, mais au prochain HDV. Oh non, j'ai plus d'or. Bah attends, regarde. Attends, mais t'as quand même beaucoup d'élixirs. Ou tu veux finir les tours d'achat avant? Eh, petite rune d'or. Allez, on utilise. Petite rune d'or. Plus 8 millions. Hop là, plus 9 millions, let's go. Ah, mais je me rends compte que c'est tellement pas cher, mec. Ouais, des ouf. Divisé par 2. C'est des ouf. Hein. Normalement, là, j'aurais dû déjà dépenser pas 270 euros, mais genre plus de 500 déjà. What? Tu sais que je me rends compte que les gars, moi, j'ai vraiment galéré comparé à lui. Hein. Les problèmes commencent. Donc là, je peux acheter de l'or ici, c'est rentable de ouf. Mais je crois que tu peux le faire combien de fois? Tu peux le faire 10 fois. Ouais, bah là, t'es full. Hein. Ah, tu peux plus le faire. Si, on a encore 5 sur 10, c'est que je suis full. 15, 14. Tu vois, 17, c'est pas si loin que ça. C'est à 1 HDV près. Ouh, les gemmes, ça va vite, hein. Attention, Unchain. Ouh, il me reste plus combien? Il te reste 2700 gemmes. Toutes mes tours, mec, niveau 15, frérot. Regarde tout ce que je dois acheter de gemmes, frérot. Attention. Presque 300 gemmes. Allez, c'est parti. Je me suis fait bloquer par la banque. Pour éviter les achats impromptus, vous pourrez faire votre prochain achat dans 4 minutes. Non, là, entrez confirmé, puis sur OK pour acheter coffre de gemmes. Là, c'est la sécurité de Clash of Clans. Donc là, si je clique sur confirmé, c'est bon. Ok. Ok, j'ai l'examen de la banque. Allez, s'il vous plaît, faites passer. Non, mec, je peux pas. Ils vont pas me bloquer tout de suite, c'est pas possible. Alors, ça reste énorme, les gars. Bien entendu, j'ai conscience que c'est énormément d'argent dépensé dans un jeu, mais moi, j'ai envie de faire ça pour la bonne cause. Du moment où je suis Team Océan, je donne de l'argent directement à une association pour protéger l'environnement. Par contre, frérot, tu sais que t'es conscient que t'as déjà dépensé une Switch dans le jeu là. Ah non, tu peux rajouter 120 balles là. Let's go! Les tours d'Archel niveau 15, voilà, toutes maxées. Je te serre la main. Oh, attends, regarde. Ah, oh, t'as un pack ouvrier. Moi, je le demande là, j'ai pas compris. C'est un pack qui fait que quand tu l'actives, la potion ouvrière, ça fait moins de 10 heures sur ta construction. Nouvelle muraille? Alors, les murailles, c'est le truc le plus cher. Attends, on va voir combien ça coûte, regarde. Là, niveau 2, ça coûte pas trop cher. Niveau 3, ça coûte pas trop cher. Après, oublie pas que t'en divisé par 2. C'est pas les prix de base. Ok, attention.
J'utilise l'or, hein, c'est le meilleur. Ça commence à chiffrer. Ça commence Attends, à chiffrer. Tellement cher, je peux plus. Et regarde, t'as une nouvelle muraille, regarde celle-là. Oh, j'en ai une en nouveau. Elle est niveau 12. Mais mec, mes murailles à mesurer niveau 12, j'ai dépensé combien? 500 balles. T'es actuellement à 400 euros dans le. Faut que je fasse du pillage, les gars. Je remets des troupes en attendant, tu vois. Ce que tu peux faire aussi, c'est accélérer le truc avec une petite potion. Ah ouais? Je clique. Vas-y, accélère mes troupes là, comme ça après elles vont. Ça va aller 10 fois plus vite, mec. Allez, let's go, regardez mes gobelins, les amis. Ils sont prêts pour aller piller. Pour. Team Océan. Oh, regarde là. Ah, c'est le truc de la ligue. Je prends. C'est gratos. Et là, par exemple, si je remplis les réserves d'or, ça coûte 1200. Ouais, parce qu'il te manquait que 3 millions. Ça commence à faire cher, Unchained. Hein. Je sais pas si ta banque va assumer. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un nouveau piège. Mais non, what? C'est le piège, je l'appelle le piège aspirateur. Ah, ça les bloque. Et après, tu peux mettre par exemple quelque chose qui explose. Ah, ouais, pas mal. Allez, je l'améliore. Coûte cher quand même pour un piège. Ah, c'était pas prévu que je l'améliore ce piège. Je vais pas te mentir, mec. Je suis un peu deg là. Ok, j'ai envie d'améliorer toute une rangée. Tu peux utiliser. Là, ça devient rentable, les anneaux. Si je fais un anneau, ça veut dire que j'améliore gratuitement un rempart. Confirmé. Ah, ouais, ça c'est pas mal ça. Énormément d'anneaux, mec. Mais attends, quoi? Je crois que tu peux en avoir 20 maximum, non? J'ai fait un bug dans la Matrix. Ah, j'en ai plus. Mais j'aimerais tout ça avec des anneaux gratos. Il faut pas oublier le pass de combat, mec. Le pass de combat, mec, j'ai de l'or à récupérer. T'as 3 millions, je crois. Élixir, je récupère. Et encore or ici, on peut récupérer les joyaux. Il faut que j'améliore mes réserves d'or. Ça va être trop important, mec. Tu sais, ça coûte 400 000, mec, tellement j'ai des pourcentages en moins. Vous êtes hôtel de ville combien dans les commentaires? Dites-moi un petit peu. Alors, si vous venez de commencer à jouer au jeu, vous allez être hôtel de ville 1. Et au début, ça va aller très très vite. J'ai amélioré un petit peu mes mines d'or. Pour l'or, ça peut être très important. J'ai plus. Ça sent mauvais, mec. Je suis en train de perdre toute ma tunasse, mec. Ça pue. Bon, ben là, je suis obligé. Hein, 120 balles. 120 balles. Si ça passe. Bam, nickel. Bam. Oh, mes gobelins sont massifs. Go faire une attaque. Ok, let's go. Il me faut de l'or, mec. Je dépense trop de gemmes. En fait, j'ai quand même envie de faire les choses intelligemment. Attends, c'est passé là? Ah, c'est passé, hein, 120 balles en plus, mec. Ouh, tu dépasses la barre des 500 euros, Unchained. Ça commence à chiffrer. Ah, il est pas mal. Est-ce que tu peux me laisser faire l'attaque? Vas-y. Allez, gars, c'est parti pour 433 000 or pour Team Océan, les gars. Cliquez bien sur le lien en description, les amis, si vous voulez faire partie de la Team Océan. Gagner 1 500 000 gemmes et l'item gratuit. Et m'aider surtout, les amis, à être premier du classement. T'es fort, DHM, frère. Ça va, ça va. Il a mis les bombes. Attention, il y a les bombes. Faut faire attention. On fait monter là. Et là, alors, oui, pour l'instant, on est pas trop. Ton truc, il va mourir là, il a 10 HP. T'inquiète, il va se mettre automatiquement sa potion de. Ah, c'est automatiquement, j'avais pas. Là, nous, ce qu'on veut, c'est l'or. Ici, il y a beaucoup d'or. Il est invincible. Donc là, allez, on met tout là. Là, on envoie tout, frérot. Et là, je vais mettre un sort qui va dupliquer. Regarde. Dans la bombe. Allez, à l'attaque, les amis, c'est maintenant. Allez, prendre l'argent. Allez, voilà. T'as foiré l'attaque parce que là, j'ai même pas 50%. Non, parce qu'en fait, j'ai mal mis le truc pour les murailles. Vous voyez, les gars, regardez, en fait, je l'ai mis à l'intérieur. Let's go. 200 000, mec, franchement, bien joué. Alors, on était à où, nous? On était à eux, là, hein. Hop là, ça on a fait déjà. Ouais, nickel. Non, tu peux l'améliorer? Non, je peux pas. Ah si, regarde. Oh non, je peux. Oh non. Est-ce que t'as pris les 3 millions d'élixirs qu'il y avait dans le pass de combat? Non, tu vois. Ah ouais, là j'ai 2 millions, let's go. L'élixir noir, et là, j'ai plus. Y'a pas un endroit gratos? Ah, let's go. Là, ah ouais, t'en as 10. Là, tu vas te régaler avec les gemmes. Attention, les gemmes descendent vite. Ça coûte très cher, hein, cela. 1,2 million avec tout le bonus que j'ai en moins, mec, c'est une dinguerie. Donc là, est-ce que là, j'ai tout amélioré ici? Faut que j'améliore ça, ça coûte 3 millions, quoi. Waouh, comme ça. Là, Miami Jane qui vient de partir. Là, c'est maxé. De base, ça coûte 6 millions. Hein. Donc ça, c'est maxé. Est-ce que tu vas aussi maxer les troupes? Ah, mec, moi, je full max, frérot. Je joue jusqu'à que je suis interdit bancaire, mec. J'ai pas maxé la moitié, frérot. Les troupes, y a pas d'offre dessus. C'est-à-dire, c'est les vrais prix. Ah ouais, on va attendre, en fait, les gars. Alors, on va voir un petit peu les troupes, les recherches. Tu sens que c'est pas divisé par deux. Oh, ah ouais. Regarde, c'est lui, c'est peut-être ses nouveaux dragons que t'as eu juste avant. Ah oui, 5 millions. Alors, c'est juste pour le passer niveau 2. Et là, je termine comme ça? Non, mais non. Mais non. Mais t'avais un livre de combat. Je vais le faire pour le PK, le gros PK. Le PK. Et tu sais, là, tu peux améliorer deux trucs en même temps, du coup. Mais t'as le petit gobelin qui t'aide. Voilà, en même temps, voilà. Et là, tu payes le gobelin. T'as vu, les gobelins, ils aiment les thunes. Alors, je paye lui le livre ou pas? Ouais, parce qu'il est plus long, regarde. Okay. C'est 4 jours à 18 heures. Voilà. Et lui, là, je paye. J'ai encore un livre. C'est ce qui coûte le plus cher. Et t'as aussi des potions de sort. C'est-à-dire, si tu améliores un petit sort. Ouais, de ouf. Genre, par exemple, celui-là. Enfin, fais-toi plaisir. Hop. Non. T'as une potion de sort. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Mais attends, tu veux pas que je l'utilise là sur elle? Oui, mais au final, c'est le prix, c'est surtout sur le temps d'amélioration, c'est pas sur le prix de base. Bien sûr. Et là, mais je vais ça pour tout, je dépense 1000 euros. Mais non, mes vidéos, c'est une connerie. Mais c'est pour aider la planète. C'est jamais trop quand faut aider la planète. Non, mais les gars. On continue. Alors, bah, je me permets, hein. T'as plus de gemmes. Let's go. Allez, les gars, c'est pour l'association, les gars, c'est pour l'océan. Dani va te tuer. J'aimerais bien que la banque, elle m'appelle maintenant et elle bloque ma carte maintenant. Ça serait grave cool, là, s'il vous plaît. Non, c'est too much. Je pense que je vais spam, mais genre jusqu'à qu'ils bloquent, là. Moi, je pensais qu'ils allaient bloquer au bout de 200 balles d'achat, tu vois. Moi, juste aux toilettes. Bien sûr, je mets juste la sécurité là pour les 120 balles. Au-dessus, les amis, on a exactement le nombre d'argent que j'ai dépensé. On est toujours pas interdit bancaire. Ça coûte tellement cher. Ah, quelqu'un qui m'appelle. Allô? Oui, allô,
c'est la banque. Allô, la banque ? Oui, j'ai vu des transactions sur Supercell, c'est bien vous ? Oui, c'est moi, tout à fait. Je suis bloqué ou pas ? Parce que j'ai demandé à ma collègue de bloquer les transactions. D'accord, ton cul, tu fais genre que c'est la banque, alors c'est toi, frérot. Je n'étais pas aux toilettes. Viens voir une personne qui va dépenser 100 balles en l'espace d'une seconde, t'es prêt ? Mec. T'as mis les 120 balles avant que t'ailles au téléphone ? Là, je me fais interdit bancaire. J'ai toujours les notifs de ma banque en mode oui, tenez le code acheté. Ok, c'est passé, les gars. T'as noté 120 en plus ? Tu sais quoi, je remets 120 balles en plus pour pas que j'y retourne, c'est trop. Tu remets 120 balles. Là, je remets 120 balles instant. Là, la calculette, frérot, t'es à 750 en fait, euros. J'essaie de push la banque pour que la banque, elle est en mode attends, là, il va faire 220 balles en l'espace de 10 secondes. Tu vois, peut-être que je croise les doigts pour qu'on m'appelle là. Qu'est-ce que ça se passe, la sécurité de ma banque ? Normalement, quand quelqu'un fait ça, on t'appelle et on demande en mode est-ce que c'est bien vous qui le faites ? Bah, en fait, il est tard aussi. Oh non, encore ! Let's go ! Tu vas pas dépenser 300 euros en 2 secondes là ? Hein ? Monsieur ? Les gars, c'est un malade. Juste, j'essaye de step up. C'est comme ça qu'on joue à Clash of Clans. La technique, c'est de bien cliquer où il y a les j'aime. C'est comme ça qu'on m'a appris à jouer au jeu. C'est quand il y a les j'aime, il faut cliquer comme ça. J'aime. 1400. J'aime. Ah, ah. Tu vois, regarde. J'aime. Tu viens de dépenser 300 balles en 2 secondes, non ? Et du moment où j'ai pu. Hop. Voilà, là j'ai plus. Voilà, là j'ai plus. T'as vu 181, t'as vu ? On était à 28 000. Nouveau record du monde. Et là, donc du coup, j'ai plus. Du coup, on y retourne, bien entendu. Et on prend le pack à 120 balles. Acheteur compulsif. Ah, erreur. T'as dépassé les 1000 balles dans le jeu. Erreur. Attends, je me suis fait. Impossible de finaliser la transaction. Tu es bloqué bancaire ? Je retente. Wouh ! Erreur. Je crois que je suis heureux là. Parce qu'en vrai, les gars, je trollais. Genre, je trollais de ouf là. J'en avais ras le cul. Je crois que c'est bon, je suis bloqué. Je vous montre la somme quand même. J'ai pas été appelé par ma banque, mais je crois que la carte bancaire elle est bloquée automatiquement. Peut-être que j'ai acheté tellement vite, il s'est passé un truc là en mode ils ont capté qu'il y avait un problème. Genre. Qu'est-ce que tu prends moins cher ? Genre 60 balles. 60 balles, vas-y. 60 balles pour voir. Ah, mec, je suis tellement content. Pourquoi ? Parce que tu peux plus donner d'argent pour la planète ? Non, mais mec, à un moment, j'ai mis. Non, j'avoue, les gars, il y a 991,99 euros. Les gars, j'ai quasiment tout amélioré. J'ai amélioré mes canons, j'ai amélioré mes tours, j'ai amélioré ça. Les Tesla, j'ai amélioré mon hôtel de ville, tous les réservoirs. J'ai amélioré quelques remparts hein. Pour les calendes de 1000 balles. J'ai eu ça, niveau 2. Et tous mes arcs aussi sont améliorés à part celui-là. Bah là, il va falloir attendre. Waouh. Mais là, très certainement, là, c'est fini, frérot. Je sais même pas comment je vais payer ma nourriture demain si ma carte est bloquée. Je te paye ton dîner ? Bah, je veux bien parce que là, comment je mange, ma carte est bloquée. Je lui paye ton dîner. Let's go. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça fait trop plaisir en tout cas. Lâchez le gros pouce bleu, l'abonnement. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer à l'événement Clash of Nature, tu as un lien en description pour pouvoir directement faire partie de ma team, la team de l'océan. Et gagner 1 500 000 d'or plus le petit bain du canard totalement gratuitement. C'était Enchain et DHM. Ciao bye. See you there.